Donc je ne mettrai pas un an de temps. Je pense que la vérification de la convocation a été faite. L'Assemblée générale. Il a été fait. Pour bien sûr, tous les délégués. L'installation des délégués a bien eu lieu. Donc, il y a à présenter le programme de l'Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale aura un message qui va être lu par le représentant de la CAF ici présent. Il aura un message de la FIFA qui est ici présent. Aura un petit mot de bienvenue, un discours de l'Assemblée générale, un discours d'ouverture de présidente, de la présidente de la commission de l'organisation, Madame Kalis Ibrahim. Ensuite suivra, on viendra avec le processus des élections du président et des membres de la fédération. Et puis, nous allons désigner les membres pour la vérification du procès verbal et le scrutateur. Et ainsi de suite, il y aura un divers que nous allons vous annoncer. Il y a des remises des attestations qui sera faite ici. Donc, nous viendrons avec des détails aussi précis. Mais dans toute cérémonie, donc d'habitude, nous commençons toujours par un fata, on va remettre à un doyen qui est ici. Je veux désigner l'Assemblée générale, il y a un chapeau, il y a ici la fédération de Rwanda, il y a un retard, je me permets d'avancer pour prendre les documents que nous devons la lire ici. Monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport, monsieur le directeur, monsieur le conseiller du président en charge du sport, monsieur le directeur du ministère de la Jeunesse et du Sport, monsieur le directeur des associations membres de la FIFA, madame la présidente du Canada, mesdames et messieurs les délégations de la FIFA,
chers membres, chers médias, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette Assemblée générale de l'équipe de la Fédération colombienne de football. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez réservé à moi et à notre délégation. Aussi, je tiens à vous transmettre les salutations et les félicitations du président de la CAF, M. Constant Aboli, aux membres de la Fédération ainsi qu'aux membres de la Commission de normalisation qui ont œuvré d'arrache-pied durant une année et demie pour le redressement du football comorien. Un travail remarquable et très professionnel dans la colonne, avec à sa tête la dynamique du président Mme Benizat, qui nous a permis la tenue de cette Assemblée générale ici. Je voudrais adresser à mon nom et au nom du président de la CAF une sincère condoléance à la famille du défunt Fagri, aussi à l'ensemble de la famille du football comorien et au peuple comorien pour sa prête disparition. Enfin, au nouveau président et son équipe, je réitère mes félicitations à la soirée de Mauricie. Sur ce, je vous souhaite une bonne réélection de votre Assemblée générale et merci de votre membre. Vive le football, vive la CAF, vive la FIFA, vive le football. Au nom de la FIFA,
de son président, M. John Infantino. Je voudrais sincèrement remercier le président de la République, son Excellence Azali Assoumani, pour son soutien indéfectible au football comorien. Je voudrais aussi remercier le ministre des Sports pour son soutien durant cette période de comité de mobilisation. Et enfin, rendre aussi hommage et remercier le comité de normalisation pour le travail accompli jusqu'à ce jour. Ces membres ont fait preuve de vaillance, malgré l'ampleur et la difficulté de leur tâche. Aujourd'hui, chers délégués, vous êtes invités à choisir la personne qui, selon vous, guidera le futur du football comorien en travaillant en étroite collaboration avec la FIFA, la CAF et les autorités locales pour le devenir du football dans ces beaux pays d'Europe. En cette Assemblée générale, se déroule sur de bases de textes révisés qui sont conformes aux exigences de la FIFA que vous avez approuvée, comme je disais tout à l'heure, à la dernière Assemblée générale. Sincèrement, j'espère qu'aujourd'hui marquera un début de sortie des crises pour le football comorien. Chers délégués, pensons tous aux jeunes comoriens, garçons et filles, qui souhaitent voir le ballon reprendre finalement son élan et prospérer aux Comores grâce à la FFC dont vous êtes en train de rebâtir aujourd'hui. La FIFA, par son programme de développement forward, et restera toujours auprès de vous pour vous accompagner dans cette même tâche qui est le développement du football pour nos jeunes filles et garçons de ce pays. Pendant cette période de normalisation, nous avons travaillé avec des différents consultants pour commencer la rénovation ou la construction des infrastructures sportives communes. Notamment la rénovation du centre technique à Nitsamouli, construction des terrains synthétiques en juin et en juillet. C'est ma collègue Céline, que presque tout le monde connaît ici, qui vient régulièrement ici, de faire le contact des Comoriens. Je pense que vous faites donner un passeport comorien parce qu'il vient ici presque tout le monde. Merci Céline. De faire le nécessaire pour qu'elle se déroule dans le respect, parce qu'on doit bien ça à nos amis. Merci à tous. Et puis je vais laisser Céline de présenter le projet pour le communautaire. Avant juste de terminer, juste donner la part au président de la FIFA, remettre quelque chose à madame la présidente, à madame la présidente pour tout son équipe. Les entraîneurs de Nitsamouli en jouant de
Donc son fonctionnement sera autonome au niveau de l'électricité et des systèmes de récupération des eaux et pluies pour arroser les espaces verts et les terrains seront installés. Il se veut également transparent au niveau de la période de l'adjudication des marchés. Ceci sera un partenariat entre le gouvernement, l'AFSC, la TAP et surtout vous, peuple colombien. Nous avons vraiment envie que ce projet soit adopté de la FIFA et nous fait une bonne collaboration avec les différents acteurs pour amener à ce magnifique projet. Le projet du Kahoudé Fanny Harma, le centre de médecins Miholi Namdam de Mona, le projet Kayaong est cofinancé en FIFA comme on a. Le projet d'Aïn. Le stade français de médecins Miholi Kayao, le Kahoudé Fanny Harma, Moudam Chachivan, le FIFA. Il y aura également un bloc administratif au fond à droite pour permettre à la Commission technique nationale de pouvoir organiser en étape de l'avancée. Il y a une radio Makatiano et une équipe pour accueillir une équipe A et les 110 Ici, nous pouvons voir que le projet est en train de se faire. Nous avons également un Mesdames et Messieurs les représentants de la FIFA, Monsieur le représentant de la CAF, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le conseiller au sport de la présidence, Monsieur le président des ligues régionales, Messieurs les délégués des clubs, chers collègues du comité de normalisation et membres de la Fédération, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, honorable invité en vos rangs graves de protocole observé, assalamu alaikum. Permettez-moi de commencer mes propos par présenter en mon nom personnel, au nom du CODOR et celle de la Fédération de football des Comores, nos sincères condoléances pour la perte tragique de notre ami et frère Fakridi Moussouf Abdoulaye. Mon cher Fakri, non seulement tu as été un membre pionnier du CODOR, mais également un exemple pour nous. Ton dévouement et ton souci de la perfection du travail ont su faire de notre mission une réussite. Nous voici réunis aujourd'hui dans le cadre de cette Assemblée générale élective qui marque le point culminant de notre mission. Un jour si attendu par tous que je partage avec grande émotion, mais aussi avec beaucoup de tristesse encore. Bien que tu ne sois plus là, ta mémoire restera gravée à jamais dans l'esprit de chaque personne qui a eu la chance de te connaître. J'en profite pour vous lire des mots de
chant adressé par Gianni Infantino, président de la FIFA, et Constant Omari Selemani, président de la République de la UEFA. En mémoire de Fakhreddin Youssouf Abdelhalik. Madame la Présidente, c'est avec grande tristesse et profonde émotion que j'ai appris le décès de M. Fakhreddin Youssouf Abdelhalik, membre du comité de normalisation de la Fédération. Nul doute que ses efforts, son travail et son expérience ont permis à la Fédération de football des Comores de retrouver la stabilité indispensable afin de progresser, de poursuivre le développement du football dans le pays, de promouvoir ses valeurs et de protéger son intégrité. Il ne sera pas oublié et nous manquera à tous. Au nom de la communauté internationale du football, je tiens à exprimer mon plus profonde sympathie à la Fédération de football des Comores, aux membres du comité de normalisation de la Fédération, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches de famille. Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile. Veuillez croire, Madame la Présidente, chacun à l'expression de ma prostration. Gianni Infantino. J'ai appris avec tristesse le décès brutal de M. Fakhreddin Youssouf Abdelhalik, membre de la commission de normalisation de la Fédération comorienne de football, et m'empresse de vous présenter mes sincères condoléances. Je vous prie de transmettre au nom du comité exécutif de la CAF à sa famille et ses proches l'expression de notre vive douleur. Que Dieu lui accorde piété et miséricorde. Recevez, Madame la Présidente, mes salutations amicales. Signé M. Constant Omari Selemani. Mesdames et Messieurs, cette mission qui nous a été confiée en novembre 2019 n'a pas été des plus faciles, certes, mais nous n'avons pas été choisis par hasard. J'en profite donc pour remercier la FIFA et la CAF pour leur confiance indéfectible à notre égard. Je pense pouvoir dire aujourd'hui que nous avons su relever le défi et remettre la Fédération de football des Comores sur de bonnes rails, avec des supports de travail et un cadre bien défini de bonne gouvernance. Puisse le travail accompli en si peu de temps ne soit pas bafoué. Mesdames et Messieurs, comme je tiens à insister, cette mission n'aurait pu se dérouler sans l'acharnement également de toute une équipe élante et soucieuse du devenir du football comorien, et qui s'est mobilisée pour nous permettre de... Parce qu'elle voudrait que notre football soit l'exemple type dans l'océan Indien, et pourquoi pas une référence à l'international. Mes vifs remerciements à leur égard, ainsi que nos amis de la presse, qui ont su transmettre le fruit de notre travail au grand public. Mes vifs remerciements à Son Excellence M. Azali Assoumani et son gouvernement, qui n'ont ménagé aucun effort en nous accompagnant dans nos travaux, tout en nous faisant entièrement confiance. Chers candidats et votre équipe, permettez-moi de vous rappeler combien il est important pour nous Comores que la relève soit incontestable. Ceux qui vous ont choisi posent sur vous leur espoir. Nous comptons sur votre engagement et votre dévouement pour que ce travail bâti soit respecté. Vous comprendrez que le bon devenir de cette fédération ne dépendra que de vous. Que la FIFA et la CAF ici présents en soient témoins. Honorable assistance, permettez-moi de vous rappeler que les valeurs de transparence, de bonne gouvernance, sont les poumons d'une fédération en plein essor. Cette politique que nous défendons fermement a permis de gagner la confiance de la FIFA et de la CAF. La preuve concrète porte sur le développement et les investissements que la FIFA compte mettre en place dans des structures permettant d'améliorer la croissance du football aux Comores. Un grand merci à elle. Mesdames et Messieurs,
je ne peux finir sans vous rappeler de prendre soin de vous et de vos proches. Ne laissons pas le Covid l'emporter. Je vous souhaite donc une excellente santé, avant tout. Beaucoup de courage, du respect et surtout une excellente élection. Je déclare solennellement l'ouverture de cette Assemblée générale élective de la Fédération du football des Comores. Vive le football comorien, vive le fair play, dans un esprit de transparence. Je vous remercie. Voilà, Rabimba ya hutuba ya rais wa Econor Bibi Kaniza kao yakahoja ibuke rasmi ya Assemblée Générale tukaho tsungwa ndo tukautendea ya Federation mpira wa mundo hurma ina haijao wongo wakatunu zihazi na zidu njanziani njanzinda kunu duritaji. Monsieur le ministre des Sports, monsieur le directeur des associations, membres de la FIFA, monsieur le président de la Fédération du football de Djibouti, monsieur le conseiller du président de l'entrée sportive, monsieur le directeur du cabinet du ministre des Sports, monsieur les dames les candidates et candidats, cher Rolf, cher Céline, cher Sandra et cher David, messieurs et mesdames les délégués de vote, messieurs et mesdames les représentants des médias, messieurs les représentants des droits de l'homme, chers invités, je ne peux pas commencer mon propos pour l'intervention sans évoquer la mémoire de votre regretté ami et collègue, Fakhreddin Soufadjali, qui a énormément contribué aux travaux et j'espère à la réussite comme dans ce moment très particulier. Nous voulons que nous avons la cabinet. La crise sanitaire nous a amené à prendre des dispositions spécifiques afin d'être conformes aux instructions de l'État et notamment du dernier discours du président de la République et ainsi que celui du ministre des Sports. Ici présent, nous l'avons remercié. Vous connaissez le cas de Moëlly, je ne reviens pas. Les 17 délégués sont sur place à Moëlly et pourront participer par vidéoconférence à cette élection. Un membre du Conor, à l'occurrence le procureur Adfan, est sur place pour veiller au bon déroulement des opérations de vote. Il sera assisté par un huissier de justice et un directeur de développement de la Fédération. Est-ce qu'il y a des amis, des observations pour vous? D'accord. Alors, conformément aux dispositions transitoires des statuts et au code électoral, le comité de normalisation que nous représentons ici siège aujourd'hui en qualité de commission électorale, comme elle a déjà fait d'ailleurs lors des élections des présidents de ligue et des membres de commission insulaire. Ces décisions et les statuts, les décisions qui sont prises par la commission électorale, sont prises en premier et dernier ressort. Elles ne pourront faire l'objet uniquement de l'État. C'est très important parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pour le sauver du siècle, pour que travailler par vidéoconférence. Et que, effectivement, par rapport à cela, nous sommes en l'occurrence, ce qui concerne la commission électorale, nous prenons une décision en premier et dernier ressort. Si un recours qu'il a fait, il doit être adressé aux taxes et non pas devant le tribunal ordinaire. Conformément à l'article 19 du nouveau code électoral, je vais maintenant vous communiquer un certain nombre d'informations relatives au bon déroulement des opérations de vote. L'article 19 du code électoral précise que, avant que les délégués soient invités à voter, la commission électorale explique en détail la procédure électorale. La commission invite à tout rôle chaque délégué et membres présents et disposant de droit de vote à se rendre à l'avant de la salle ou à lieu d'élection. Une fois appelés, les délégués concernés seront à l'avant de la salle de l'Assemblée générale et après avoir reçu
Le délégué en plus, on peut dans l'isolat, on peut le faire, c'est fait, on est de côté. Donc, l'isolat va être placé en bas visible pour tous. En cas de récif, très important, en cas de récif sur la validité de la unité des bulletins de vote, la rédaction du procès verbal, la proclamation des résultats ou d'autres questions relatives à la procédure de dépouillement, la décision de la commission électorale, à cet effet est définitive. Tout recours à cet égard devrait être adressé au tribunal arbitral du sport, DAS, à Lausanne, Suisse. Maintenant, voyons voir les bulletins nuls. Quels sont les bulletins nuls? Sans considérer comme nuls, les bulletins ne portant pas les signes officiels 17 plus établis par la commission électorale, les bulletins portant des mentions d'ordre pour les noms des candidats, les bulletins illisibles ou raturés, les bulletins portant des signes de reconnaissance. Maintenant, comment compter les bulletins? Après avoir vérifié le nombre de bulletins de vote, les membres de la commission électorale procèdent au comptage, assistés au préalable par les huissiers ici présents, aux différents, et accordent les différents suffrages obtenus par les candidats. À la fin du scrutin, la présidente de la commission électorale annonce officiellement les résultats aux membres de l'Assemblée générale. Comme je vous l'ai dit, donc, les deux huissiers sont ici pour nous aider dans ce travail de bon développement des opérations électorales. En cas de canon prévu, c'est le cas dans cette histoire de pandémie, et comment on s'organise? Toutes les questions relatives à l'organisation administrative et technique de l'Assemblée générale élective ne sont pas couvertes par le présent code électoral ou par les statuts et règlements de la fédération, sont tranchées par la commission électorale dont la décision est définitive. C'est sur ces